une attention particulière sera mise sur les axes tels que la sécurisation de nos recettes et ressources financières, la mise en œuvre des différentes recommandations issues des audits, l'actualisation du projet d'établissement hospitalier, l'amélioration du cadre et des conditions de travail, la mise en place d'un plan de formation pour le renforcement des capacités, la motivation du personnel à travers la prise en charge des divers problèmes du personnel administratif, paramédical, médical et aussi des étudiants. Une démarche qualité sera entreprise à travers la définition des fiches de postes et d'objectifs, des normes et procédures en matière administrative, de soins médicaux et d'hygiène, et l'amélioration des conditions funéraires. Nous devons travailler pour que le CNHU, qui est aujourd'hui perçu comme l'hôpital de toutes les craintes, où les patients viennent par contrainte, devienne l'hôpital de tous les espoirs, l'hôpital de vie, l'hôpital qui rassure. Je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous pour m'accompagner dans cette charge. Je m'engage devant vous et avec vous à donner le meilleur de moi-même pour relever les grands défis de notre hôpital. Que Dieu nous protège et nous donne plus de sagesse. Je vous remercie.